Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Si vous nous rejoignez dans le club de l'été avec Margot Barallon, Fred Gouati, nous recevons Amandine Petit, Miss France 2021 jusqu'à 11h. C'est l'heure de votre portrait sonore, ma chère Amandine. Mmh. Alors le principe, il est très simple. On va vous passer des extraits qui devraient vous rappeler des moments de vie. D'accord. Et vous nous en parlerez. Ok. Le premier, on a fait très simple. Miss France 2021 et restera Miss Normandie. Aïe, 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 aïe. Ça pleure à chaudes larmes hein, sur la vidéo. Vous Tout êtes très ému. Et restera. Vous avez conscience de ça, que vous êtes Miss France à vie? Mais c'est ce que je me suis posé comme question, justement. Vous savez, vous êtes élue le samedi soir. Le dimanche, il y a une tournée médiatique qui est énorme. Et c'est une des plus grosses journées de l'année Miss France. Et le soir, je suis rentrée chez moi, puisque du coup, on a un logement qui nous est attribué quand on est Miss France. Et on se le donne de Miss en Miss. Et je me suis posée sur le canapé. Et je me souviens me dire, mais... Là, ça veut donc dire que le jour où tu as des enfants, le jour où tu te maries, le jour où, peu importe les événements qui arriveront dans ta vie, on saura qui tu es et ce sera relayé. Enfin, ça m'a fait un peu peur sur le moment et je me suis dit, mais si un jour je veux redevenir Amandine, mais que l'on connaît pas, comment ça se passe? Et on m'a rassurée un petit peu à ce moment-là en me disant, tu peux toujours sortir un petit peu de tout ça, mais on connaîtra ton prénom quand même. Et les premiers pas dans la rue, où est-ce qu'on disait? Amandine Petit, c'est vous la Miss France? Vous vous rendez compte, vous lui ressemblez quand même beaucoup, non? Est-ce que c'est vous? Et maintenant, ça me fait sourire parce que les gens sont très très bienveillants. C'est déstabilisant au début, ça vous a gêné? Au début, c'est très bizarre. Ouais. Et sur la vie privée, c'est gênant. On essaye de savoir si vous avez un petit ami, ouais, si vous êtes amoureuse. Il sort dans la presse, People, très souvent, soit une rupture. Alors c'est faux, c'est vrai, mais comment on réagit par rapport à ça? On arrive à faire le break? On garde de la distance parce que ce qui est hyper important quand on fait Miss France, enfin en tous les cas, mon propre avis par rapport à ça, c'est de laisser ma famille, mon entourage, et qu'il y ait un quiconque amoureux ou pas, en dehors de tout ça, parce que eux n'ont jamais demandé à être médiatisés, et eux suivent cette aventure, et ils en sont ravis. Je vous assure que mes parents, encore il y a deux jours, j'étais à Bricbec pour faire coucou à tout le monde dans la foule, et c'était génial sur une magnifique voiture. Quand j'ai croisé mes parents, parce que c'était en Normandie, ils en avaient les larmes aux yeux, et à chaque fois que je les croise dans des événements, ils en ont les larmes aux yeux parce que c'est juste incroyable. Mais ils n'ont jamais demandé à être dans la presse, ils n'ont pas demandé à être médiatisés. Donc j'essaie de les protéger le plus possible. Et ça, voilà, que ce soit avec ma grande sœur, avec mes amis, avec un ami si au cas où il y en a, peu importe. Et c'est pour ça que j'en parle très rarement. Alors votre vie, Amandine Petit, elle a changé le 19 décembre 2020 puisque vous êtes devenue Miss France. Mais ça avait commencé un petit peu avant, trois mois avant exactement. Écoutez. Durant sept ans, j'ai effectué de la danse de salon. Puis Chris Marquez est arrivé avec son déhanché dans Danse avec les Stars. Alors j'ai préféré me mettre à la course à pied et parcourir nos belles étendues de plage normande. Alors ça, c'est votre présentation, Amandine, pendant l'élection de Miss Normandie. Exactement. Donc de Miss Normandie, vous devenez Miss France, mais avant Miss Normandie, cinq ans avant, vous aviez déjà tenté l'aventure. C'est ça, c'est très rigolo de réentendre cette partie-là parce que c'est la première fois qu'à la radio, on me le refait entendre cette bribe de partie. Vous êtes les premiers quand même. Hein, ouais, c'est le club de l'été, qu'est-ce que vous voulez? On travaille beaucoup. Mais c'est, oui, effectivement, cinq ans auparavant, je m'étais déjà présentée. J'étais toute jeune sur l'histoire. C'était Malika Ménard qui m'avait soumis cette idée de participer. Normande aussi, comme vous. Normande, canaise, comme moi. Mmh. Et Miss France 2010, qui a remis son écharpe à la Miss France 2021, que je suis. Et donc elle vous a convaincu de le faire. C'est ça. Vous y aviez déjà pensé petite, c'est un rêve parce que on voit des petites filles qui rêvent de porter le diadème. Il y a des enfants, des familles qui regardent cette élection. C'est un des programmes les plus familiales de France. 10 millions de téléspectateurs en pic le 19 décembre quand vous êtes élue. Est-ce que vous étiez une petite fille comme ça? J'étais une petite fille qui descendait les escaliers en faisant des grands coucous comme ça, qui regardait l'élection, ça me faisait rêver. Mais pour autant, j'étais hyper timide quand j'étais plus jeune. J'ai encore eu une professeure d'école que j'ai croisée quand j'étais à Bricbec justement ce week-end. Et elle me dit, mais Amandine, mais c'est impressionnant, comment tu peux être comme ça maintenant alors que t'étais au fond de la classe parce que tu n'osais pas parler, tu n'osais pas prendre la parole. Sur mes bulletins de notes, il y avait toujours écrit réservée, timide, manque de confiance en elle. Et on se dit, quoi, quelques années après, je me retrouve sur scène à Miss Univers, en train de faire des coucous à tout le monde et à soutenir une parole qui a un impact en plus, parce que quand on est Miss France, c'est ça, c'est véhiculer des beaux messages.
Bien sûr, c'est faire rêver, mais c'est aussi avoir une voix qui porte et qui va encore plus loin et qui, quelquefois, peut désamorcer des choses qui peuvent être sur des sujets un peu compliqués. Donc c'est plein d'espoir pour les petites filles qui nous écoutent. Attendez, on va vous faire une proposition, parce que vous avez dit que vous aimez la danse de salon. Si on vous propose ça, par exemple. Parce que dans votre présentation, vous dites « je fais de la danse de salon depuis 7 ans ». Vous parlez de Chris Marquez. Il y a eu des Miss France, on a vu Valérie Bègue, entre autres, dans « Danse avec les stars ». On pourrait vous y voir ? Alors, c'est vrai que je pourrais peut-être marcher dans les pas de Iris Mittener aussi, qui l'a fait, Iris, d'ailleurs. Ça. Sylvie Tellier aussi, qui l'a fait. C'est quelque chose qui me plairait. Maintenant, il va falloir... Je ne veux pas vous vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué quelque part, parce que bon, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de danse de salon. Moi, j'ai fait de la danse de salon quand j'avais 7 ans et pendant 7 ans. Ouais, mais ça ne se perd pas, ça. Et puis, le principe de l'émission, c'est quand même qu'il y a des gens qui n'en ont jamais fait tout. C'est vrai. Bon. Mais oui, avec plaisir. Amandine dans Miss France, peut-être bientôt, alors. Dans Danse avec les stars ? Dans Danse avec les stars. J'ai dit quoi dans Miss France ? Non, ça c'est déjà fait. Dans Danse avec les stars, peut-être bientôt, vous nous direz. Vous nous tiendrez au courant. Avec grand plaisir, mais bien sûr, je viens d'avoir discuté avec vous ici. Une autre aventure, tiens, qui s'est déroulée cette année. Et donc du coup, effectivement, j'ai reçu plein de demandes, demandant mariage, et alors chacun y allait de son petit mot. C'était soit épouse-moi parce que j'ai une Ferrari, épouse-moi parce que j'ai un château, et moi, du coup, j'habite en bord de mer. Enfin, c'était juste incroyable. C'était chacun se lancer un petit défi. Et au-delà de ça, j'ai pu aussi recevoir de très beaux courriers de la part de Paul, 5 ans, qui me faisait plein de gros bisous. Mais des fois, j'avais aussi Paul, 80 ans, qui me faisait aussi des gros bisous. Donc, c'est pas les mêmes bisous, on va dire. C'est pas la même chose. Alors ça c'est vous, c'est cette année, vous avez vécu une grande première, une belle aventure, vous êtes devenue chroniqueuse radio sur Virgin Radio, la petite sœur d'Europe 1, dans l'émission La Team de Robin Bernot. Comment elle est arrivée cette expérience, Amandine Petit ? C'est une expérience en fait qui est très rigolote. Un jour je suis sur un tournage pour l'émission Affaires conclues, et puis mon attaché de presse vient me voir et me dit « écoute Amandine, ce soir on est à la radio, on te propose de faire une chronique, est-ce que tu veux y aller ?» Je dis, mais attends, Charlotte, je m'y connais pas du tout. J'ai jamais fait ce genre de choses. Je me dis, vas-y, écoute, on se lance. Si ça te tente, on le fait. Ok, on écrit une chronique en l'espace de 3 quarts d'heure. Mes parents venaient pour passer le week-end avec moi. Je leur dis, écoutez, je vous emmène avec moi dans cette folie. Et de toute façon, je crois qu'il faut être un peu fou quand même pour faire Miss France. Donc on continue et puis on se met jamais de barrière et il n'y a pas de restriction et on y va. Vous avez aimé l'expérience ? J'ai adoré. C'était on peut vous retrouver un jour en radio ? Avec c'est un métier plaisir. Que vous aimeriez faire, animatrice radio. Franchement, c'était incroyable. Bon bah, on va voir ça. Et en tout cas, tout a commencé un peu dans cet immeuble. C'est ça. Hein, à l'étage du dessus. J'ai toujours mon badge d'ailleurs. Et vous avez toujours le badge. Il marche toujours. Ils l'ont pas désactivé. Je ne sais pas. On va vérifier. Aujourd'hui, je l'avais pas. Avec moi. On va vérifier pendant la pub. Amandine Petit, Miss France, et notre invitée jusqu'à 11h sur Europe 1. Et dans un instant, on file du côté d'Arles avec Fred Goati pour écouter de la très bonne musique. À tout de suite.